Aujourd'hui, Cinéphonie est consacrée à un compositeur encore en pleine activité actuellement et dont le nom est presque toujours associé à Luc Besson, réalisateur, et à juste titre, les quelques films qui n'ont pas été tournés par Luc Besson avec la musique de notre compositeur du jour, vous avez peut-être reconnu Eric Serra, eh bien, sont souvent des productions de Luc Besson avec d'autres réalisateurs. Eric Serra est né le 9 septembre 1959 à Saint-Mandé dans la région parisienne. Il est en grande partie autodidacte, ou disons qu'il a plutôt appris la musique en famille avec un père et une mère assez intentionnés par rapport à cela et qui lui ont donné quelques rudiments de solfège et d'apprentissage de la guitare. Et c'est la guitare qu'il va pratiquer à un assez haut niveau finalement au fil des années. La guitare qui va le faire connaître d'abord comme musicien de concert. Il va faire de nombreuses tournées. Dès l'âge de 17 ans, il va tourner avec Youssou N'Dour, Maury Kanté, Didier Lockwood dans un autre genre et aussi Jacques Higelin avec lequel il travaillera pour un certain nombre de productions. Eric Serra ajoutera outre à la guitare basse, mais aussi la batterie, le piano, le synthétiseur. Il est, comme on dit, polyinstrumentiste et ce n'est pas rare de l'entendre dans une grande partie des musiques de films qu'il compose. Alors, au départ, première réalisation pour Luc Besson. Il est né la même année que lui, d'ailleurs. Ils ont donc 22 ans tous les deux, en 1981. Un court-métrage qui s'appelle « Avant-dernier ». Luc Besson à la réalisation et Eric Serra à la musique. Avant-dernier, c'est un des seuls courts-métrages d'ailleurs qu'ils feront ensemble, puisque deux ans plus tard, ce sera le premier film de long-métrage. Et pendant sept films, successivement, sans aucune exception, eh bien, ils vont travailler ensemble. Et on va écouter un titre par film à peu près, parce qu'évidemment, il y a une grande abondance dans la production de Luc Besson, d'une part, mais aussi d'Eric Serra. Alors, sans plus tarder, Le Dernier Combat. Donc, c'est un film d'anticipation. Les sujets qui seront traités, d'ailleurs, par l'un et par l'autre, toucheront beaucoup au surnaturel, à des milieux un peu bizarres, à l'étrange, un peu décalés. Et c'est déjà le cas, donc, de Ce Dernier Combat. Nous y trouvons déjà l'acteur Jean Reno, qui sera assez souvent présent dans toutes ces productions communes à Luc Besson et Eric Serra. C'est donc Le Dernier Combat que je vous propose d'écouter. Ce premier film sera suivi de Subway, qui mettra en scène Christophe Lambert, Isabelle Adjani et toujours Jean Reno. C'est un monde du métro un petit peu interlope, un peu étrange, rendu stressant, en tout cas toujours un détournement un petit peu même du quotidien. Voici un des thèmes principaux de Subway.
Le troisième film en commun, c'est Kamikaze, qui sort en 1986. On y trouve Richard Boringer, qui joue d'ailleurs déjà dans le film précédent, Michel Galabru, de même, mais aussi Dominique Lavanant et Romane Boringer, la propre fille, donc bien sûr, de Richard. Là, on est dans un monde un peu curieux, là encore, c'est-à-dire un monde de l'électronique et de tout ce qu'il peut avoir parfois d'inquiétant ou disons, de non maîtrisable. Depuis 1981, donc ils travaillent ensemble, on voit que ces musiques ont donné un petit coup de vieux à beaucoup de compositeurs en renom à cette époque-là et en allant vers le monde de l'électronique. Mais ce n'est pas une musique bas de gamme, c'est une musique très élaborée, au son très soigné, qui quelquefois incorpore les voix, qui incorpore aussi des instruments traditionnels, je dirais classiques. Et il y a beaucoup de talents réunis, je pense, le sujet inspirant bien sûr Eric Serra. Et en 1988, c'est Le Grand Bleu. Alors s'il n'y avait qu'un seul film à retenir évidemment de leur collaboration, ce serait celui-là. C'est un succès extraordinaire et assez inattendu quand on connaît le sujet et même la façon dont le film se déroule d'une certaine façon, mais c'est ce film qui va leur coller à la peau jusqu'à aujourd'hui, genre de succès dont on pourrait ne pas se remettre. Eh bien non, ça ne sera pas le dernier, et loin de là, puisque après ce Grand Bleu, qui est donc la quatrième collaboration qu'ils ont faite ensemble, il y aura encore 12 films jusqu'à un tout dernier film qui est sorti en 2019, c'est le film Anna. On terminera d'ailleurs cette émission avec ce film de 2019, toujours les mêmes aux manettes, musique et réalisation, bien sûr scénario, production pour ce qui est de Luc Besson. Alors Le Grand Bleu, c'est une histoire de rivalité de plongeurs qui se défient en quelque sorte, hein, avec Jean Reno et Jean-Marie Barre. Il y a aussi Rosanna Arquette et quelques acteurs internationaux. Voici, alors c'est difficile de choisir parmi toute l'abondance de musique du Grand Bleu. Bon, j'ai choisi ce thème pour vous le mettre en mémoire. Alors après ce succès qui a mis un peu de temps, mais qui est resté depuis 32 ans tout à fait, je crois, incontesté, il y a un film qui s'appelle Nikita. Nikita, ce sera l'occasion de développer là encore une fois une intrigue dans une délinquance qui a toujours une dimension un peu étrange. On ne sait pas si c'est surnaturel ou si ça va au-delà, disons, du quotidien. C'est Anne Parillo qui en est l'héroïne et une fois encore Jean Reno. Après Nikita, il y aura un documentaire qui est sorti au cinéma qui s'appelle Atlantis, qui est un hommage encore une fois au monde aquatique, mais cette fois-ci
sans comédiens, j'allais dire en chair et en os, mais les comédiens, ce sont évidemment tout ce qui peut peupler le monde sous-marin. C'est un grand hommage rendu au monde aquatique Atlantis. Toujours Éric Serra à la musique et Luc Besson à la réalisation. C'était en 1991. En 1994, on va retrouver Jean Reno et une toute jeune actrice âgée de 13 ans, Nathalie Portman, qui fera parler d'elle par la suite. Ce film, c'est encore un sujet un peu ambigu, c'est un tueur à gages qui héberge un peu contraint et forcé une voisine de palier avec qui il va se passer des relations tout à fait étranges. Ce film, c'est Léon. Là encore, c'est difficile de choisir un seul thème par rapport à l'abondance qu'il y a dans tous ces films communs entre Éric Serra et Luc Besson. En 1995, c'est une petite parenthèse par rapport à cette collaboration, c'est GoldenEye, oui, le 17e James Bond, le premier qui sera tourné avec Pierce Brosnan et Isabella Scorupco. Alors, la musique d'Éric Serra, elle passe quand même un peu inaperçue, il faut quand même dire ce qui est. Et je me faisais simplement remarquer que sur l'affiche, son nom prend 4 fois moins de place que générique chanté par Tina Turner par une musique de Bono and the Edge. Et c'est vrai que c'est souvent le pré-générique qui l'emporte dans les James Bond au niveau du côté médiatique de la musique. Alors, une fois n'est pas coutume, on ne va pas écouter Tina Turner, qu'on écoute toujours quand on parle de GoldenEye, mais le générique qui suit le pré-générique, celui qui est entièrement tourné par Éric Serra. Petite dimension internationale, bon, qui ne sera pas trop concluante, paraît-il, et qu'il ne recommencera pas. Mais enfin, voilà, il a tourné un James Bond, musicalement parlant. Cette première série de films avec Luc Besson, il va tourner aussi donc Luc Besson, le cinquième élément, film de science-fiction avec Mila Jovovich, Bruce Willis et quelques autres. Et dans la foulée, une autre forme de fiction, si on peut dire, mais basée sur des faits réels, soi-disant, c'est Jeanne d'Arc. Oui, le Jeanne d'Arc de Luc Besson, avec Mila Jovovich toujours, Dustin Hoffman, Faye Dunaway, John Malkovich et une musique d'Éric Serra dont nous écoutons un extrait. Thank you.
très surprenant pour ceux qui pensaient que Eric Serra n'était capable de faire que de la musique électronique. Là, il emploie avec beaucoup de précision des instruments. Alors, c'est pas forcément des instruments que Jeanne d'Arc aurait pu connaître en 1412, entre 1412 et 1431, qui sont donc ses dates de naissance et de mort. Mais c'est une musique qui fait presque, j'allais dire, couleur locale. C'est donc une autre forme de fiction, d'une certaine façon, pas de science-fiction, que vont donc pratiquer ces deux acolytes ensemble. Jeanne d'Arc est sortie en 1999. Ils collaborent pour un film de Richard Berry, L'art délicat de la séduction. C'est juste deux petites compositions additionnelles. On va les laisser de côté. Mais en 2001, ils renouent avec une certaine forme d'aventure, de comique assez intéressant, décalé au Japon. Et c'est peu collaborateur de Luc Besson qui va être le réalisateur officiel qu'on trouvera par exemple pour la série Taxi, c'est Gérard Kravcik qui tourne Wasabi. Donc ça se passe entièrement au Japon en 2001 avec Jean Reno, Michel Muller et la charmante Ryoko Hirosu, japonaise comme il se doit. Alors, on va faire un petit saut dans le temps. Il y a d'autres films, quelques années, c'est Décalage horaire de Daniel Thompson, Le gardien du manuscrit sacré, des films qui ne sont pas connus forcément du grand public, le remake de Rollerball. Bon, moi je préfère l'ancien, mais ça c'est une question de génération. Et puis Bandidas, qui sera tourné un petit peu plus tard. C'est à ce moment-là, mais j'en parlerai à part, que Luc Besson va renouer avec Eric Serra pour ses trois dessins animés qu'il tournera lui-même, film d'animation hein, plus ou moins en 3D, Arthur et les Minimoys. Donc c'est une collaboration qui va reprendre et qui ne s'est pas arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Un peu plus tard, ce sera Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, d'après une bande dessinée de Tardy, en 2010. On va retrouver les deux personnages au mieux de leur forme et une charmante Louise Bourgoin, même si le film a un peu déçu les amateurs de bande dessinée, mais c'est toujours comme ça quand on adapte une bande dessinée. Deux ailes, y a pas. Au prénom de mademoiselle Adèle, mais deux jambes, elle a pour s'envoler sans embarras. Ouais, cherche un peu, sans aventure, elle serait morte Adèle. La pas d'amoureux, mais la belle aventure que ce jeu. Elle n'hésite pas, pour sa sœur, elle met tout son cœur. Oh, tout est perdu, c'est alors qu'elle peut donner du style. Elle est plus têtue que cette bande d'abrutis sans humour. Alors, je ne sais pas si les auditeurs se souviennent de ce film, ont été le voir à l'époque. La bande dessinée, son petit succès encore aujourd'hui, donc par Tardy. Et en 2010, donc, ce film avait mis un peu la lumière. Alors moi, je trouve que c'est un film assez étrange, mais que j'aime beaucoup. Et cette chanson du générique, elle est chantée, figurez-vous, par Catherine Ringer, qui est donc la femme du groupe Rita Mitsuko. C'est assez inattendu. Et une collaboration un peu sympathique, qui est un petit peu décalée. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce film, et j'aime beaucoup la musique d'Eric Serra, vous aurez peut-être compris à mes commentaires. C'était donc la 12e collaboration entre Luc Besson
et Eric Serra, plus le premier court-métrage qu'ils ont fait ensemble. Alors après le troisième Arthur qui s'intercale là, c'est The Lady. Sujet intéressant, c'est celle qui est devenue depuis chef d'État en Birmanie, alors avec des controverses sur lesquelles on ne va pas revenir là forcément. The Lady, donc avec le générique qui présente ce pays lointain, étrange, bien problématique parfois. Film de Luc Besson avec Eric Serra dans un tout autre domaine. La musique d'ailleurs sur le disque s'intitule Il était une fois en Birmanie. Toujours beaucoup de talent, beaucoup de renouvellement avec des instruments à caractère un petit peu plus de musique du monde. En tout cas, musique très défendable pour présenter ce pays, la Birmanie. L'héroïne étant Michelle Yeoh, qu'on connaît dans beaucoup d'autres films. Et bien sûr, nous sommes ici en 2011. En 2014, le film suivant, c'est Lucie, avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman, un film de science-fiction, mais avec une base actuelle. Hein, ce n'est pas la science-fiction dans les étoiles ou dans les fusées. Lucie, avec un très joli thème, là encore une fois, que j'ai choisi parmi l'heure 10 à peu près de musique que comporte ce film. Toujours une vision, j'allais dire, du réel, du quotidien, de l'ordinaire, et qui prend une dimension tout à fait incontrôlable et parfois très inquiétante dans ces films récemment produits. Il y a en 2017 un film qui s'appelle Braqueur d'élite de Stephen Quayle, qui a aussi comme autre titre Renegades, mais c'est avec le dernier film en date de Luc Besson et de Eric Serra, ce qui fait 17 productions communes quand même, et pas rien, parmi tous les films que j'ai pu citer ici avec quelques petites minutes de musique, c'est Anna. Anna, c'est un sujet, là encore une fois, qui tourne autour de l'espionnage d'un personnage énigmatique qui a fait partie du KGB et dont on ne sait pas vraiment jusqu'à la fin si elle a quitté ses idées du KGB face au monde, évidemment, qui a beaucoup changé ces dernières années. Ce film est sorti en 2019. L'actrice, c'est Sacha Loose. On y trouve aussi Luke Evans et Helen Mirren, connue par d'autres films depuis bien longtemps aussi. Voilà, un petit au revoir, sans doute provisoire, puisque l'un comme l'autre, Luc Besson comme Eric Serra, sont toujours sans doute plein de projets et qu'ils nous produiront ensemble encore bien de belles choses.